Yeah. Alors, non, parce qu'on en parlait tout à l'heure parmi les choses que j'ai coupées. Ouais. Parmi tant d'autres, il y aurait celle-là. C'est l'entretien entre Thomas, le coordinateur, qui s'adresse aux parents sur qu'est-ce qu'il est question de donner. Et alors, il dit, il est question de prélever le cœur, les reins, les poumons, le foie. Si vous consentez à la démarche, vous serez informé de tout et le corps de votre enfant sera restauré. Il a énuméré les organes sans flancher, dans cet élan qui le conduit toujours à préférer la précision sèche au flou de l'esquive. C'est une autre zone de turbulence, et il frissonne, en nage. Il sait que la charge symbolique diffère d'un organe à l'autre. Marianne, d'ailleurs, n'avait réagi qu'à l'évocation du prélèvement du cœur, comme si prélever les reins, le foie ou les poumons se concevait davantage. Et de même, elle a refusé le prélèvement des cornées, qui, comme les tissus, la peau, font rarement l'objet d'un accord de la part de l'entourage. Et on comprend qu'il doit transiger, s'écarter de la règle, accepter les restrictions, respecter cette famille. C'est de l'empathie. Car les yeux de Simon, ce n'était pas seulement sa rétine nerveuse, son iris de taffetas, sa pupille d'un noir pur devant le cristallin, c'était son regard. Sa peau, ce n'était pas seulement le maillage fileté de son épiderme, ses cavités poreuses, c'était sa lumière et son toucher, les capteurs vivants de son corps. Voilà. Bon, ben merci Ouais, je t'en prie, Emmanuel, c'était vas-y. vraiment super. Notre petit blog va avoir un interview en plus et des choses très intéressantes. J'en suis très Bon, contente ben, tant mieux. de ce qui s'est passé.